samedi des pluies diluviennes qui sont tombées donc toute la journée vendredi 12 juin 2020. Je suis descendue pour constater un peu les dégâts. Et il y en a. Il y en a pas mal. Je vais faire une petite vidéo. Plus j'avance, plus on doit entendre le bruit de la rivière. Qui à la base est un petit cours d'eau, quoi. Voilà. Donc là, habituellement, c'est du goudron. Je marche dans les pierres. Là, ici, voilà, ça tombe directement. On voit bien quel chemin a suivi l'eau. Voilà, des morceaux de goudron de partout. Donc ça, c'est la route que j'emprunte chaque matin pour aller au travail. Donc autant vous dire que d'ici que je déménage, je suis pas prête de la réutiliser, cette route. Voilà, le goudron qui se soulève de partout. La violence du truc, quoi. On voit bien le chemin qu'a emprunté l'eau. Les herbes sont couchées. Les trous qu'il peut y avoir ici. Ça a défoncé le goudron. Je vous assure que cette route, elle n'est pas dans un état exemplaire. Mais elle est totalement praticable habituellement, quoi. C'est un truc de malade. Sachant que m'est déjà arrivé de me mettre au bord là ici avec ma voiture, parce que du coup il y a des voitures qui arrivent et voilà, il n'y avait aucun problème. Là ça a été défoncé, quoi. Un gros trou en plein milieu de la chaussée, le goudron et tout, tout cabossé. Voilà. On voit bien toutes les fissures. On dirait que la route s'affaisse, ça fait presque peur. On a l'impression que ça va glisser, quoi. Je vais pas rester des heures. Le petit cours d'eau qui est devenu un gros torrent. Donc là, ils ont mis une voiture pour éviter, pour barrer la route, quoi. Tout simplement. Parce que ce que vous allez voir juste après, c'est fou. Donc là, le goudron qui se soulève. Je viens de marcher sur un morceau de goudron qui a cassé sous mon poids. Et voilà le trou béant. Voilà, je tourne un peu pour qu'on se rende bien compte de l'eau qui continue à s'écouler. Voilà. On croirait qu'il pleut encore, hein, presque. Mais bon, là... Après la pluie, on vient de beau temps, c'est exactement ça. Des glissements de terrain un peu partout. Là habituellement il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi. C'est vraiment un tout petit truc, un filet d'eau, quoi. Là, c'est pas bien. Les dégâts continuent un peu plus haut. On sait pas d'où vient cet temps, hein. Franchement c'est fou, hein. Il est 10h30 du matin. Voilà, ça fait debout, il faut recevoir d'eau, je pense. Voilà, alors là la route est pareil, complètement défoncée.
Ça, c'est la route qui mène chez moi. Vous pouvez voir, hein, c'est mort. Là, il y a une seconde route. Vous voyez où je me suis garée quand même? Là, il y a une seconde route, donc là, qui monte au terrain de cross des snacks. Et là, c'est pareil. La route ramassée. Des trous partout. Je sais pas comment vont faire les gens pour descendre de chez eux. La petite balade du samedi matin. On aurait préféré se balader autrement. Bon, voilà. Les gens juste devant chez eux. Des gros trous, des trous de goudron qui sont partis. Naya, allez!